c'est notre arcade room que nous avons construit pour nos enfants et le dernier qui quitte l'arcade room va gagner une surprise complètement épique. Qui va gagner selon vous? Donc les enfants, vous voyez la ligne rouge dans la pièce? Oui. Eh bien, on n'a plus le droit de sortir à l'extérieur de cette ligne rouge. Oh my God! Alors les enfants, comme à l'habitude, vous avez 60 secondes pour aller chercher ce que vous voulez dans la maison! 3, 2, 1, go! On prend Bambi? Oui. Bambi, je prends un set de Lego. Je prends mon ordi, mon jeu d'échecs. Allez. J'ai trouvé la toutou! Je prends des bananes parce que il y a beaucoup trop de sucreries en bas. Des pommes et un orange, tiens. Mes écouteurs. Oh non, oh non, non, non. Oh, Stitch. Crème. La suce! La suce! Est-ce que c'est la suce? Et où la suce? Yeah, ah! Est en haut! Tu veux aller chercher la suce? Faut chercher la suce à deux donnes. Ah, elle est là! Bingo! Les enfants, il vous reste plus beaucoup de secondes, dépêchez-vous! Coco, j'ai tout ce que je fais. J'ai une PS5, j'ai une tablette. Les éléphants! 10! 9! 8! 7! 6! 5! Médecine est rentrée dans la ligne! 4! 3! Alors, mesdames et messieurs, le défi est officiellement commencé et ça commence vraiment mal. Alors, tout le monde, qu'est-ce que vous avez choisi? Alors, Mariana. Mariana adore dessiner. Et aussi, un oreiller, ça c'est bien pour dormir. Ton maquillage. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'as pris? PS5 comme à l'habitude. Une charge pour... Une tablette. Pour les tablettes, ok. Pour une iPad. Ah, t'as amené un iPad. T'avais clairement pas assez d'appareils électroniques ici pour toi. Manette puis PS5. Très bonne idée. Maman? Hein? Alors moi, j'ai pris des fruits. Ah, il m'a dit ça, on en veut déjà. J'ai pris mes écouteurs, des Lego pour pouvoir faire ça. Parce que... Ah, ouais, c'est cool! Pour nous pendant une semaine. Ça peut être une semaine, elle. Ça dépend. Et j'ai pris Stitch, un énorme squishmallow de Stitch, et j'ai pris mon eau parce que je peux pas vivre sans mon eau. Et Madison, elle a porté sa doudou. T'as déjà perdu ta suce? Ouais, et moi, je suis sûr que ça intéresse tout le monde. J'ai apporté mon ordinateur et je me suis concentré plus à filmer tout le monde, donc j'ai apporté rien d'autre. Mais c'est pas grave, moi je suis endurant, je peux endurer dans les pires conditions, donc j'ai besoin de rien. À toutes les 2 heures, on va piger une peluche dans la machine à peluche et il y aura un défi collé sur chacune d'elles. Et chaque papier collé sur les peluches contient un défi qu'on devra tous relever. Bon, ça fait 2 heures, ça fait 2 heures déjà. Madison, ça va? Okay. Donc, on insère la monnaie. Et c'est parti, mon ami! Oh! Ouais, je pense... Ah! Ben oui, oui, oui! D'accord! Oui! Premier coup! Quel sera le défi? Oh! Oh my God! Quoi? Jeu en équipe, vous avez 30 minutes pour construire une pièce secrète. Vérifiez s'il n'y aurait pas un arcade qui pourrait être vide, qu'on pourrait vider. Quels sont les critères pour une pièce secrète? Ça prend des friandises, donc on peut transporter les friandises là-bas et les mettre dans la pièce secrète. Ça prend de l'électricité, un peu de lumière. Chérie, t'avais une idée, t'as dit, toi? Dans la machine des Ventura. Oh oui, c'est parfait! Ouais, c'est parfait. Ouais, Mariana, est-ce que tu veux t'asseoir à l'intérieur? oh my god! Wow! On a des lumières, donc ça fait pièce secrète ici. On a une petite tablette avec des friandises. Je crois qu'on a réussi. C'est beaucoup trop stylé! Oh my god! On est vraiment des professionnels de pièce secrète. On a fait une pièce secrète en moins de 30 minutes. Vraiment cool, on l'a fait seulement en 15 minutes. Écrivez en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vraie de vraie pièce secrète dans l'arcade. Ça serait vraiment cool. Bye, yes! Tu es bien? J'ai aussi un glove. On se voit dans 2 heures. Papa! Quoi? Je vais le montrer. Ok. C'est l'heure du défi! Oh yeah, yeah, yes! Ok. Non, je pense pas que tu vas l'avoir. Non. Oh! Oh, ça va marcher? Oh! Yeah! J'ai eu chaud.
quoi ça? Tentation, ouvrez la porte 3. Derrière chaque porte, il y a une tentation qui pourrait faire quitter quelqu'un. Alors je vais ouvrir la porte tout le monde. Alors on prend soin de ne pas couler. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Oh, deux cadeaux. Est-ce que quelqu'un veut quitter? On s'assure de ne pas toucher la ligne rouge. Est-ce que quelqu'un veut quitter pour aller découvrir quels seraient les cadeaux? Mais si mes pieds restent de ce côté-là... Ok! Je ne veux pas! Monte sur moi! Vas-y, monte! Vas-y! Go, go! On est vraiment une famille de délingos! Vous voulez... Alors, personne est tombé dans le piège de la porte numéro 3. Alors là, on doit attendre un autre 2 heures pour le prochain défi. Madison? Madison, elle a volé ta place. Alors, Ezekiel a, en passant, installé son PS5, qui est juste ici. Je me demande bien qu'est-ce qu'il y a à l'autre côté de cette porte. Ok, bon, il n'y avait pas d'espace pour l'écrire correctement. Je sais que ça s'écrit pas comme ça, mais au moins vous comprenez. À beau, mais... vous! Parce que vous êtes au moins 80% à pas l'avoir encore fait. Alors, let's go! Et voilà la professionnelle! Wow, c'est une pro. Le roi des roteurs. Oh! Celui qui fait le plus gros rot a le droit d'aller chercher quelque chose à la maison. Ah, ok, alors, qui veut participer en premier? Est-ce veux-tu faire le premier? Pas tout de suite. Alors là, c'est moi qui fais le premier rot, tout le monde. On met la barre haute. Quelle famille de délingos qu'on est! Seule famille dans le monde qui s'applaudissent pour se féliciter de nos gros. C'est vraiment une honte. C'est quoi? C'est tout ce que vous pouvez donner! J'ai honte! Alors je donne la victoire à Ez parce que même si je crois que mon gros était un peu plus gros, il a sorti une série. Ezekiel, tu peux quitter le défi pendant quelques minutes, aller chercher ce que tu veux. Alors là, j'ai le droit de filmer parce que je filme Ez, mais j'ai le droit de rien toucher, rien faire. Seulement filmer Ez. Il se fait des noodles. Oh, ça sent bon en plus. J'en veux! Ah, il fallait faire des plus gros ronds. Ah oui, on voit le défi en dessous. Maman est vraiment pro. Bonbons étranges. En tour de rôle, vous devez piger et manger des bonbons étranges. Oh! Cette boîte est remplie de bonbons étranges. Et là, on va se fermer les yeux, on va se piger. Je le tiens. Des jelly beans au vin rouge. Urk! Des bonbons au vin. Oui. C'est quoi ça? C'est quoi des genre de DIY de bonbons? C'est quoi? Ok, c'est quel à toi? Des gummies au fromage. Mac and cheese. Cela ou cela? Oh, cool! J'ai mangé des petits Bob l'éponge dans de la slime. Oh! C'est des mini Pikachu! Oh, wow! Tu goûtes? Hein? Est-ce que c'est bon? Oh, my God! Pikachu, est-ce que c'est bon? Oui. Ah! Oh, en plus, ils sont expirés! Ah! Bravo! Bravo, ouais. Maman! Ok, c'est qu'elle a réussi. Alors là, il faut vraiment que j'ai l'expérience complète. Alors, tout de suite, on peut voir Bob l'éponge, c'est bien. Oh, mais c'est assez. Alors là, tu peux donner une forme à tes bonbons, c'est cool. C'est un peu long pour Mariana de faire ses bonbons, donc on va commencer le 2 heures tout de suite, jusqu'au prochain défi. Et juste avant le prochain défi, Mariana mangera ses bonbons. Alors ça fait maintenant, je pense, même plus que 2 heures. On est vraiment dû pour faire le défi. Et là, Mariana, avant qu'on fasse le prochain défi, il faut que tu manges tes friandises que tu avais pigées. Ils sont secs. Tu les as préparées pendant ces 2 heures. Et là... Oh. Ah ben ok, mais tu peux manger. Ça, c'est pas bon? Alors Mariana a mangé sa friandise. Maintenant, on passe au prochain défi. Ah, peut-être. La porte 4. On peut ouvrir la porte numéro 4. Je crois que c'est une tentation pour Madison. Madison? Madison? Madison est piégée! Madison, elle est tombée dans le piège d'aller jouer au jeu Barbie. Madison, t'es tombée dans le piège? Oui! Est-ce qu'il y en a qui veulent quitter le défi jusqu'à maintenant? Non! Je commence à le penser. Allez, on se revoit dans 2 heures.
que d'aller chercher tantôt des fruits et des légumes. On avait déjà des fruits. Je vais parler à mon monteur. J'aimerais que tu mettes des bruits de rire. Que les gens croient que je suis vraiment drôle. Alors maintenant, c'est l'heure du prochain défi, tout le monde. Oh, quel sera ce défi? Oh, tentation. Vous pouvez ouvrir la porte numéro 5. Oh, chérie, ça c'est la porte de ton dressing. Est-ce que quelqu'un aurait une idée de surprise pour maman ici? Oh non, mais c'est une blague! Wow! Chérie, regarde les beaux cadeaux! Oh là, je pense que c'est la fin de maman! C'est une blague? Mais non! Oh my god! Maman, qu'est-ce que je fais? Elle veut gagner, elle! Si j'y vais, j'ouvre les cadeaux avec vous sur les plateformes TikTok, Instagram, peut-être ça peut être intéressant! Oh non, je peux pas y aller! Je dois gagner, Priscilla Ventura sur Instagram et TikTok, allez go! Ok, j'ai pas le choix, j'ai Alors Ezekiel a trouvé son lit, il veut dormir ici. Et Mariana, elle dort dans la machine à peluche. Waouh! Maman, viens voir! Il y a une nouvelle peluche dans la machine! C'est magnifique! Ouais. Oh my god! Mariana a trouvé l'endroit pour dormir ce soir! C'est le prochain défi. Bon alors là, c'est vrai, on se voit seulement dans 2 heures pour le prochain défi. Évidemment, Mariana restera pas là parce que je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Et de toute façon, il faut qu'on ait pigé nos autres défis pour tantôt. Alors, on se voit dans 2 heures. Bon alors, ça fait notre premier 2 heures juste à nous trois. Mariana prend le toutou qu'elle a pris tantôt, qu'elle avait lancé pendant qu'elle était dans la machine à peluche. Pas un mot pendant 30 minutes, sinon éliminé. Oh, pendant 30 minutes. Alors ça commence dans 3, 2, 1. Ok, c'est bon. Le 30 minutes est terminé. Alors le défi du silence était le dernier défi de la journée. Ça va aller à demain matin pour le prochain défi. Maintenant, pour le restant de la soirée, on va essayer de se construire un lit, un petit habitat convenable pour bien dormir. Ah, il y a un matelas? Oui. Oh, t'as raison. Ok, et là, regardez. Alors, je suis encore correct. Mets ton poids sur mon pied, ça va m'aider. Alors là, c'est j'ouvre ici, regardez. Ah, les couvertures. Yes! Oreiller. Yes! Yes! Hé, c'est mon oreiller. Et là, on a un matelas convenable. Ouais! Oui, attendez, il faut que je revienne. Attendez, parce que ça pourrait être la fin pour moi. On t'aide. Ah! Ok, c'est bon. Yeah! On a réussi, on a un matelas. Ah! Les des oreillers, on va être trop bien. C'est vrai qu'il commence à faire vraiment chaud avec tous les appareils électroniques qui fonctionnent. Vous pouvez ouvrir un peu la fenêtre ici. Ah, juste comme ça. Je viens de coucher Madison et là, je vais aller voir comment ça va en bas. Je les entends rire. Ah. On était capable d'aller prendre le matelas. Ow! Qu'est-ce que tu fais? On était capable d'aller chercher le matelas dans la salle de la mort. Vous avez de l'air quand même bien. Bon, mais bonne nuit! Bonne nuit! J'entends un bruit. C'est vraiment bizarre. Tout le monde dort. Papa, hein? Papa! Pourquoi tu fais? Il y a un bruit, c'est bizarre. Cache. Ok, vous comprenez pas. On dirait que quelqu'un derrière la maison, juste là, c'est peut-être ma mère. Passer par là, on va revenir demain dans la journée puis on va voler toutes les peluches. Oh oui, c'est parfait. On a entendu Will parler à Laurie. Il fallait avertir maman. Je sais qu'on fait ça le défi du dernier qui kiffe l'arcade. On se sent la main pour dire qu'on décide d'accepter de quitter la partie tous ensemble. Ouais. Ouais. 1, 2, 3. Mariana, t'as gagné! Ah, c'est Mariana qui a gagné, bravo! Chérie, réveille-toi! Tu devineras jamais qu'est-ce qu'il y a d'arrivé! Will, il va voler! Will, il va venir demain voler l'arcade! Toute l'arcade! Mais là, ce qui est important, c'est que demain matin, avant que Will revienne, parce que Will va sûrement attendre qu'on s'en aille, demain avant de partir de la maison, on va remplir la maison de pièges et de pranks pour protéger l'arcade de Will. Oh, je suis partante! Ok, parfait tout le monde! On est partant? On est partant! Let's go! Alors on est le lendemain matin tout le monde et là, on se prépare. Will Dead va arriver cet après-midi selon ce qu'on a entendu et là il va tenter de cambrioler l'arcade room. On défend notre maison. Allez! Donc là j'ai fait un énorme bocal rempli de colle visqueuse.
Alors on va arroser ces escaliers pour que ça fasse de la glace. Alors, maman est en train d'installer une sorte de système d'alarme avec un fil qu'il devra éviter, sinon ça va activer une conséquence. Alors, si Laurie et Will marchent à travers ce cordage et touchent un des fils, vous voulez pas manquer la conséquence de ça. On va aller chercher des Lego. Bonne idée, oui, je sais qu'est-ce que t'as en tête. Oh, maman se donne à 100% pour ce piège. Je protège ma maison. Oui. La salle d'arcade. Willy Bell va pas venir la détruire. Moi, j'ai mis des pièges à souris juste ici. Si jamais ils réussissent à se rendre jusqu'à cette porte et qu'ils réussissent à l'ouvrir, ils vont être surpris par un peu de douleur au pied. Alors vous comprenez que lorsque Will va accrocher un fil, ça va activer la chaudière qui va renverser sur Will. Oh! Wow! Touchez pas! Willy Bell va recevoir une tarte en plein visage. Oh, j'espère qu'au moins elle est délicieuse. Alors je vais mettre la colle. Maison. Ils vont devoir laisser leurs chaussures, tellement ça va coller. Alors, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Oh! Wow! Ok, oui, ça fonctionne. Ça va pas faire du bien, ça. Regardez ce qu'on a construit. Devinez ce que c'est. Écrivez-le dans les commentaires. Oh oui. On va bombarder Will. Est-ce que tu vas bombarder Will? Les enfants, vous êtes prêts? On est nés prêts.